Aujourd'hui, l'évangile du 2 février, c'est-à-dire la présentation de Jésus au temple, appelé autrefois la purification de Jésus, la purification de la Vierge Marie. Je vais commencer justement par parler de ce que veut dire la purification et la pureté et l'impureté dans l'univers biblique, très différent de ce que nous appelons nous pur et impur. Les femmes ont besoin d'être purifiées après la naissance d'un enfant. Pourquoi ? Parce que mettre au monde un enfant, c'est entrer dans un monde saint, entrer dans le monde du Créateur qui donne la vie, la vie étant toujours liée à la présence de Dieu, et donc on est à part. Et il faut être réintégré dans la communauté normale, dans la communauté de tous les jours, et c'est ce qu'on appelle la purification. C'est-à-dire, je passe d'un monde à part au monde normal. Voilà. Alors, impur, il faut dire, c'est très curieux, mais c'est comme ça, dans l'univers biblique, impur, c'est soit par excès de sainteté ou de proximité avec Dieu, ou par excès de péché ou de mal. Et dans les deux cas, on ne doit pas s'en approcher. En tout cas, pas s'en approcher sans préparation et n'importe comment, et en sachant de quoi ou de qui on s'approche. Impur, on ne touche pas. Ce qui est impur, on ne touche pas. Ou alors, avec un infini respect, etc. Alors, je vous lis un texte très, très beau et qui résume bien ça. Je fais une petite parenthèse avec le Cantique des Cantiques, qui est la perle de la parole de Dieu, la perle de la Bible, qui est très, très, très impur, évidemment, parce qu'il n'y a pas plus sacré et plus saint que ce livre qui nous parle de la vie mystique avec Dieu, que des épousailles avec Dieu. Alors, impur avec des guillemets, mais dans le sens biblique. Je lis Rabbi Akiba, un grand rabbin mort martyr dans les premiers siècles. « L'impureté d'un objet doit être à la mesure de l'amour et du respect qu'on a pour lui. Tous les écrits saints rendent les mains impures. » Quand on les touche, on ne touche pas n'importe comment la Torah. Donc tous les esprits saints, tous les écrits saints rendent les mains impures. Dieu nous préserve qu'un seul Israélite conteste que le Cantique des Cantiques rende les mains impures. Car le monde entier n'est pas aussi précieux que le jour où ce livre fut donné à Israël. Toute l'écriture est sainte, mais le Cantique des Cantiques est saint parmi les livres saints. Conclusion, il est impur. Ça veut dire on ne s'en approche pas n'importe comment, on ne l'aborde pas n'importe comment, mais avec un infini respect et le désir d'entrer dans un mystère qui nous dépasse de beaucoup. Voilà. Donc la purification de la femme, ça veut pas... Enfin, on a complètement transformé ça. La femme, elle est impure parce qu'elle a couché avec un homme et qu'en plus, elle a mis au monde un bébé. Alors c'est la totale, quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Elle est... à part, voilà, elle est à part parce que à elle a été confié particulièrement le don de la vie. D'où l'importance de la purification, c'est-à-dire elle reprend une vie normale. Bon, les contresens, c'est ce que je viens de dire, c'est de croire que c'est mal. Elle est en état de péché parce qu'elle a conçu et qu'elle a mis au monde un enfant. Alors, pas de contresens. Alors, voilà ce que c'est que la purification. Donc, Marie... accompagnés de Joseph, bien sûr, accomplissent ce rite. Alors, en ce qui concerne la notion de pureté et d'impureté pour nous aujourd'hui, dans le langage de la liturgie, je ne sais pas, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que le linge avec lequel il y a un linge qui s'appelle le purificatoire, et qui sert à purifier les vases sacrés, tenez-vous bien, après la communion, car ils ont contenu le corps et le sang du Seigneur. On purifie parce qu'ils ont contenu le corps et le sang du Seigneur, et parce que donc ils sont complètement sacrés, hors à l'écart, enfin du côté de Dieu, et on ne va plus pouvoir les utiliser n'importe comment. Et pour montrer quand même qu'on les remet dans un placard après qu'ils étaient sur l'autel et contenu le corps et le sang du Seigneur, on les purifie. Voilà, c'est exactement la même chose que ce que je viens de dire à propos du Cantique des Cantiques ou de la purification et de l'impureté dans l'univers biblique.
Alors ensuite, il est dit, je vais parler du vieillard Siméon, parce que, sauf qu'il n'est pas appelé vieillard, hein, on nous dit, il y avait à Jérusalem, hein, je suis dans Saint-Luc au chapitre 2, au verset 23, 25, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Siméon, ça veut dire celui qui écoute. On verra qu'il était bourré de qualité, de charisme, de tout ce qu'on veut. Il portait le nom du fils de Jacob, dont on nous dit au chapitre 29 du livre de la Genèse, au verset 33, Léa devint encore enceinte, elle enfanta, pardon, elle devint encore enceinte, oui, elle enfanta un fils, et elle dit, le Seigneur a entendu, ou écouté, ou compris, parce que tout ça en hébreu, ça se recoupe. Le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée, il m'a donné cet enfant, et du coup je vais l'appeler Siméon, parce que le Seigneur a entendu ma prière. Donc c'est le premier Siméon, hein, fils de Jacob, jusqu'à Simon-Pierre que Jésus voit et qu'il appelle au bord du lac, hein, par exemple le texte qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, hein, dans Saint-Marc au chapitre 1 au verset 16, passant au bord de la mer de Galilée, Jésus a vu Simon. Il a vu des oreilles capables d'écouter et il a appelé celui qui deviendra Simon-Pierre. Donc l'écoute, c'est toujours lié à l'humilité. Ça veut dire, je sais que j'ai des choses à apprendre, à recevoir. Donc il s'appelait, premièrement, il s'appelait Siméon et ensuite, on nous dit qu'il était juste et religieux. Juste, ça veut dire ajusté à Dieu, comme tout le monde le sait, et le premier qui est appelé juste, on nous décrit un petit peu ce que ça veut dire la justice, un homme juste, c'est Noé. Genèse 6, 9. Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste et parfait. Il marchait avec Dieu. Voilà. Marcher avec Dieu, être ajusté à ce que Dieu demande. Noé était juste, il marchait avec Dieu. Voilà. Jusqu'à Abel, hein, qui sera appelé juste dans l'Épître aux Hébreux. Alors lui, c'est parce qu'il avait offert des offrandes justes. Voilà. Donc, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4, grâce à la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Et Siméon était juste. Pourquoi? Parce qu'il attendait la consolation d'Israël. Voilà. Il vivait un temps d'avant parce qu'il savait que Dieu était consolateur et qu'il ne manquerait pas de venir consoler son peuple. Comme c'est annoncé au chapitre 40 d'Isaïe, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, ou encore toujours dans Isaïe, hein, où le Seigneur dit, c'est moi, je suis le Dieu qui vous console. Hein. C'est dans Isaïe chapitre 51 au verset 12, c'est moi qui vous console. Hein. Ou encore toujours dans Isaïe au chapitre 49, etc. Enfin bon, 49, 13, je ne vais pas lire tous les passages, mais Dieu se présente toujours comme un Dieu qui console. Et dans le Nouveau Testament, on a Romains chapitre 15, verset 5, Romains 15, 5, où il est écrit, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'être d'accord entre vous les uns avec les autres. Le Dieu de la consolation. Et enfin, dans le début de la deuxième épître aux Corinthiens, c'est une hymne à la consolation qui vient de Dieu. Je lis deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient toute consolation. La nouvelle traduction dit réconfort, mais évidemment, ça revient au même. Donc, il attendait, hein, le vieillard, si, pas, vieillard, on ne dit pas que c'était un vieillard, c'est pas parce qu'il se dit, ça y est, je suis prêt à mourir, c'était un homme juste et religieux. Voilà. Donc, Siméon attendait la consolation d'Israël, et surtout, c'était un homme qui vivait complètement dans l'Esprit Saint. Trois fois, on nous parle d'Esprit Saint à propos de Siméon. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, il est venu au temple. Un homme complètement rempli du Saint-Esprit.
Voilà ce que nous dit Origène. Vous aussi, si vous voulez tenir Jésus et le serrer entre vos bras, faites tous vos efforts pour que l'Esprit Saint lui-même vous serve de guide au temple de Dieu. Voilà. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint qui vous conduira jusque à la présence du Seigneur, là où le Seigneur habite, et vous pourrez même le recevoir. Hein, si vous voulez tenir Jésus et le serrer entre vos bras, dit Origène. Et donc, il arrive au temple, en même temps que Marie et Joseph qui viennent présenter Jésus, qui eux aussi sont conduits par l'Esprit Saint dans l'obéissance à la loi de Moïse. Et il est dit que Siméon le reçut dans ses bras. Il ne l'a pas pris, il l'a reçu. Comme on reçoit le cœur du Christ, on ne se sert pas. On tend la main ou la bouche et on reçoit le corps du Christ. C'est un don de Dieu. Et c'est comme ça que lui reçoit l'enfant dans ses bras, nous dit le texte. Et il bénit Dieu en disant ce magnifique Nunc Dimittis que tout le monde connaît. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser s'en aller ton serviteur. Alors, je vous lis un texte de Saint Ambroise aussi à propos de la venue au temple. Celui qui veut chanter le Nunc Dimittis, qu'il entre dans l'église, qu'il aille au-devant de la Jérusalem céleste, qu'il espère le Christ Seigneur, qu'il prenne dans ses mains le Verbe de Dieu et qu'il l'embrasse par des œuvres accomplies sous l'emprise de sa foi. Alors lui sera donné de ne pas voir la mort, lui qui aura vu la vie. Avec un V majuscule. Alors, le Nunc Dimittis, je vais simplement commenter les versets 30, 31 et 32, où la bénédiction de Siméon dit ceci, enfin, il rend grâce, il bénit Dieu, c'est-à-dire il fait remonter vers Dieu une bénédiction extraordinaire qu'il vient de recevoir. « Mes yeux ont vu le salut ». Alors, il attend la consolation d'Israël, il attend le Christ et le Messie, et il reçoit dans ses bras, beaucoup plus que tout ça, le salut, c'est-à-dire le monde est sauvé, il porte en lui le sauveur du monde, celui qui en plus s'appelle Jésus, qui veut dire « Dieu sauve ». Alors ça, ça dépasse complètement toutes ses espérances, hein. Comme le dit Saint Grégoire de Nice, qui chante une béatitude hein, pour ce que Siméon a contemplé. « Bienheureux les yeux et de votre âme et de votre corps. » Il s'adresse à Siméon. « Bienheureux les yeux et de votre âme et de votre corps. Ceci, parce qu'ils ont joui de la présence visible de Dieu, cela parce que, sans s'arrêter à ce spectacle visible, ils ont été éclairés des splendeurs de l'Esprit et ont reconnu le Verbe de Dieu dans une chair mortelle. Car ce Sauveur que vos yeux ont vu, c'est Jésus lui-même, dont le nom seul annonce le salut à la terre. » Donc, voilà, bénédiction de la part de Dieu qui dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. On revient toujours, il faut toujours revenir à l'épître aux Éphésiens, où il est dit ceci, donc c'est Éphésiens 3, 20, « À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met en œuvre en nous infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou même concevoir. » Voilà. Il avait conçu et demandé de voir la consolation d'Israël. Il reçoit dans ses bras le salut fait chair, quoi. Dieu fait chair. Donc, mes yeux ont vu ton salut que tu préparais à la face des peuples. Et au verset 32, lumière pour les nations et gloire pour Israël. Ça, c'est tout un programme. Il reconnaît en Jésus l'accomplissement de ce qui était dit dans le texte de la nuit de Noël, hein, au chapitre 9 du prophète Isaïe, au premier verset, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Voilà. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Les habitants du pays de l'ombre, c'est ceux qui n'avaient jamais entendu parler du Dieu un d'Israël, du Dieu sauveur, du Dieu amour. Du Dieu qui vient nous visiter, voilà, c'était annoncé sous toutes les formes déjà par les prophètes. Donc lumière pour les nations. Et puis pour Israël, gloire de ton peuple Israël. Israël a déjà reçu une lumière de la part de Dieu. Il a déjà reçu la révélation, il a reçu la parole de Dieu. Hein, comme il est dit par exemple dans le prophète Isaïe chapitre 2 verset 3,
la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur, ou encore verset 5, venez maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Alors c'était une lumière voilée parce que le mystère de l'incarnation n'avait pas encore éclaté dans toute sa splendeur, mais on ne peut pas dire qu'il marchait dans les ténèbres. Donc pour eux, la venue de Jésus, c'est la gloire, c'est-à-dire ils vont voir en plénitude le poids de la divinité, le poids du Dieu vivant reposer chez eux. Alors c'est ça la gloire, c'est leur gloire, hein, la gloire du peuple Israël, c'est Jean 1, 14, le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente chez nous, où ? Eh bien dans la terre d'Israël, dans la terre sainte d'abord, ou encore ce que Jésus rappellera dans son enseignement à la Samaritaine, 4, 22, Jean 4, 22, nous adorons ce que nous connaissons, nous juifs, Jésus, c'est le Verbe qui s'est fait juif, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs, le salut c'est Jésus. Donc ça va être la gloire du peuple d'Israël. Et je vais terminer avec un texte de Saint-Irénée qui relie ce passage en l'éclairant par Jean 8, 56, à propos de Siméon qui contemple le salut, qui contemple Jésus. Jean 8, 56, c'est des passages un peu mystérieux, et c'est Jésus qui parle en disant « Abraham, votre père, a exulté en sachant qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. » Commentaire de Saint-Irénée. Siméon, qui était de la descendance d'Abraham, accomplissait la joie du patriarche et disait « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur selon ta parole, dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » L'exultation d'Abraham descendait en ceux de sa race qui veillaient, qui contemplaient le Créateur et croyaient en lui. Mais elle remontait aussi des fils vers les pères, vers Abraham, qui avait longtemps désiré voir le jour de l'avènement du Christ. Sœur Claire, merci.